بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم في قناتكم ربي زدني علما. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle séance de comptines. Thème: mes fêtes. Unité didactique 6, semaine 1 et 2. Le titre du poème Papa. Ensuite, on demande aux élèves d'observer l'image qui se trouve sur la page 88 et on pose les questions suivantes. Qui est-ce? Qui est-ce? C'est un homme. C'est un homme. C'est un papa. C'est un papa. C'est un père. C'est un père. Une autre question. Que tient-il dans ses bras? Que tient-il dans ses bras? Il tient un bébé dans ses bras. Il tient un bébé dans ses bras. Une autre question. Que fait le bébé? Que fait le bébé? Le bébé pose sa main sur la poitrine de son papa. Le bébé pose sa main sur la poitrine de son papa. Est-ce qu'il a peur? Non, il n'a pas peur. Est-ce qu'il a peur? Non, il n'a pas peur. Je lis le poème. Papa. Papa, quand je suis dans tes bras, mon cœur bat tout bas, tout bas. Quand tu me fais un bisou, c'est tout doux, tout doux. Quand je suis sur ton cœur, je n'ai plus peur, plus peur. Quand tu me fais un câlin, je n'ai plus de chagrin, de chagrin. Mais quand tu es parti, je m'ennuie à l'infini. Papa, papa, papa. Je répète. Papa. Papa, quand je suis dans tes bras, mon cœur bat tout bas, tout bas. Quand tu me fais un bisou, c'est tout doux, tout doux. Quand je suis sur ton cœur, je n'ai plus peur, plus peur. Quand tu me fais un câlin, je n'ai plus de chagrin, de chagrin. Mais quand tu es parti, je m'ennuie à l'infini. Papa, papa, papa. Je répète. Papa. Papa, quand je suis dans tes bras, mon cœur bat tout bas, tout bas. Quand tu me fais un bisou, c'est tout doux, tout doux. Quand je suis sur ton cœur, je n'ai plus peur, plus peur. Quand tu me fais un câlin, je n'ai plus de chagrin, de chagrin. Mais quand tu es parti, je m'ennuie à l'infini. Papa, papa, papa. Et maintenant, je vais poser quelques questions de compréhension. De quoi parle le poème? De quoi parle le poème? Le poème parle d'un bébé et son papa. Le poème parle d'un bébé
et son papa? Deuxième question. Qui parle dans le poème? Qui parle dans le poème? Dans le poème, c'est l'enfant qui parle. Dans le poème, c'est l'enfant qui parle. Où est-il? Où est-il? Il est dans les bras de son papa. Il est dans les bras de son papa. Et maintenant, on va expliquer quelques mots difficiles dans le poème. Par exemple, cœur, câlin, chagrin, ennui. Cœur, قلب. Câlin, عناق. Chagrin, حزن. Ennui, ملل. Je compte de 10 à 90. Répétez après moi. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Je répète. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Je compte de 90 à 100. Répétez après moi. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Je répète. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Et enfin, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine séance. Au revoir.